C'est un peu l'importance d'être ici ce matin, en fait. C'est important de venir expliquer aux travailleurs qu'on soutient leur démarche. On pense que c'est un règlement qui doit se trouver à la table de négociation, puis on pense que le gouvernement doit montrer son sérieux. Ce gouvernement-là n'a pas les moyens de perdre l'appui de sa fonction publique, particulièrement quand on regarde les dernières années. On a vu les cafouillages avec le dossier des passeports l'an dernier, on a vu le cafouillage... En fait, on voit présentement un gros cafouillage avec l'assurance-emploi, on voit des cafouillages dans plusieurs secteurs du gouvernement, et la pandémie a le dos large, mais il n'y a pas que la pandémie qui a causé tous ces dérapages-là. Alors, présentement, la fonction publique est en grève. C'est une des plus grosses grèves, certainement la plus grosse des 40 dernières années. Plus de 150 000 travailleurs qui sont en grève actuellement à travers le Canada. Alors moi, je pense que c'est important que le gouvernement soit sérieux à la table de négociation. C'est ça que je suis venu dire aux travailleurs ce matin. Ils ont notre appui. On a toujours été du côté des travailleurs. Le Bloc québécois, on le démontre en se présentant sur les piquets de grève aujourd'hui. On est vraiment content. On est vraiment content d'avoir l'appui de M. Champoux aujourd'hui. Puis ça nous fait une marque de respect qu'on n'obtient pas présentement avec le premier ministre Trudeau.